Pierre Avenel. Moi, Pierre Avenel, de ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Quelle idée sombre nulle ton mari a-t-il de se faire recevoir franc-maçon? Je lui ai déconseillé tant que j'ai pu, mais tu sais comme il est entêté. Il va se trouver dans un milieu d'arrivistes si médiocre. On l'a pourtant bien prévenu. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Il y a tant d'histoires qui courent sur le compte de ces sociétés secrètes. Ne t'inquiète pas, Pierre. Il saura se tirer d'un mauvais pas. Prudent. Pas assez. Monsieur, le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Père Couvreur, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maguette. Et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères? Nous le ferons. Mes frères, à la santé de notre nouveau frère. À notre santé. Très cher frère, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? Eh bien, c'est curieux, cette cérémonie est très impressionnante. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte? Au cas où vous auriez besoin de mes services. Je vends de tout, de la bonne trie, des chaussures, du savon à des prix invraisemblables. Tu permets, mon cher Lévi-Stein? Je t'en prie. Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre à contribution. Oui. Un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers. Je vous remercie. Dans quelques temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé. Je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça. On leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez. À votre service. Merci beaucoup. Alors, on nous revoit. Un nom comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pan, pan, pan. Essayez. Pan, pan, pan. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Pourquoi? C'est un adversaire de la maçonnerie. Mais son projet est excellent. Qu'importe, il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon avis.
Non. Non, non et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Je vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je suis en colère, non, j'ai tout mon sang-froid, au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Vous détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Ah, mon frère, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous le comprenez donc. Régirait l'Europe définitivement. Notre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence. Ce que dit cet homme est faux. Mon frère, je vous rappelle alors, vous n'avez pas la parole. Je le sais. Je suis député et membre de la commission de la défense nationale. Je ne peux pas laisser se prolonger un discours aussi manifestement erroné. L'appréciation de monsieur... De notre frère, Richter. Oui, si vous voulez. Sur l'état de l'armée que possède l'Allemagne sont des mensonges. Et ajoutez-vous à cela la stupidité. Mais pourquoi vouloir une guerre entre l'Allemagne et la France? Mon frère, vous n'avez pas la parole. Peu m'importe. Mais je tiens à dire qu'aucun motif réel de conflit ne peut être invoqué. Vous le direz tout à l'heure, après l'exposé de notre frère. Non, je le dirai immédiatement, avant d'entendre des stupidités bellicistes. Oh. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre. Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs, et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Frère Avenel, je vous prie de couvrir le temps. Vous êtes tous des menteurs et des faussaires. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie. Des vérités, ce sont des fous. Malheureusement, il est impossible de leur faire entendre raison. Pour les événements sont pourtant indiscutables. Oui, oui. Dites-moi, j'ai des documents confidentiels sur l'action actuelle de la maçonnerie qui peut-être vous intéresseraient. Des documents? Oui, oui, des documents. Vous êtes député, il serait utile et urgent que je vous les communique. Mais je crois bien, où sont-ils? Chez moi, pas très loin d'ici. Si vous avez quelques minutes. Et volontiers, allons. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Pétard ou couteau? Le couteau, ça fait moins de bruit. Attention, voilà. Un instant, je vais voir si... Mon chéri, tu guériras vite. Le docteur a dit maintenant que j'étais sauvée. À condition d'être sage. Qu'est-ce qu'on entend? C'est la mobilisation générale, mon chéri. Quoi, la mobilisation? Ne tâche pas, je t'en supplie. Je n'aurais pas dû te le dire, mon Dieu. Ne t'en fais pas, mon chéri. Tu reviendras vite. Les brutes. Ils sont arrivés. Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Oh, ne bouge pas. Tes plaies sont à peine fermées. Si j'étais pas tombé sous les coups de ces criminels, j'aurais peut-être pu arrêter ça. Mais non, tu n'aurais rien pu empêcher, mon chéri. Ces hommes sont plus forts que toi. Ils ne t'auraient pas manqué.
que c'est. Et malheureux, s'ils savaient ce que je sais. Mes frères, nous pouvons affirmer en toute sérénité que la franc-maçonnerie universelle a présentement atteint son but. Cette guerre qui est la nôtre est déclarée. Elle doit aboutir au triomphe de notre ordre. Il importe que le monde soit définitivement gouverné selon nos méthodes et par nos idées. De vous et alors. Frère Provision Payant, à quelle heure ferme-t-on les travaux? À minuit, vénérable maître. Quelle heure est-il, frère, second surveillant? Minuit, vénérable maître. Puisqu'il est minuit, et que nous avons accompli notre ordre, je déclare les travaux clos avant de mailler. Retirons-nous en paix, mes frères, sous la loi des sangs.